Je m'appelle Valérie Martin, j'ai 41 ans, je suis mariée avec 3 enfants, Tom qui a 14 ans, Alice qui a 12 ans et Capucine 7 ans. Je suis propriétaire depuis 2006 suite au coup de foudre que j'ai eu avec mon mari qui était sommelier et mon grand-père étant viticulteur, j'avais toujours été attirée par le métier de la vigne et je me suis lancée dans cette aventure grâce aux conseils avisés de mon mari. Nous sommes situés à 4 km de Saint-Émilion et on est classé Grand Cru. Nous avons un encépagement assez classique pour la région, 85% de Merlot et 15% de Cabernet Franc. C'est une propriété qui est de taille plutôt réduite puisque nous n'avons que 6 hectares, mais c'est ce qui fait aussi la rareté de notre vin, puisque 6 hectares correspond à peu près à une production de 30 000 bouteilles par an. Notre maison dans laquelle nous habitons, qui est une maison cossue et agréable, date de la fin du XVIIIe siècle. Mais malheureusement, il y a eu un gros incendie en 1970 qui a détruit la moitié de la maison, qui a été donc reconstruite par la suite. Et c'est donc un bâtiment qui date en partie de la fin du XVIIIe et en partie de 1975. Je connais Aurore depuis 2007, ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Ça a été une très belle rencontre. On partage ensemble la passion du vin, la passion de l'art à la française, de la culture française, de la gastronomie française. C'est devenu au fil du temps une amie et c'est devenu tout naturel pour moi de confier l'exclusivité en fait, de la distribution de nos vins sur la Chine. Puisqu'il n'y a qu'Aurore qui vend du tour du CEM sur le continent chinois. Notre objectif, principalement ici, c'est de faire des vins que l'on aime boire, que l'on aime déguster, que l'on aime partager. Et c'est vrai qu'on est parti sur un vin qualitatif, plutôt haut de gamme, de par l'appellation et de par nos goûts personnels. Donc ici, on travaille tout à la main. Et pour ceci, nous sommes 5, une petite équipe, qui est là depuis le départ. C'est une vraie aventure, une vraie histoire humaine. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné l'envie de venir nous rendre visite. Vous serez toujours accueillis les bras grands ouverts à Tour du CEM. Et ça sera l'occasion en plus d'ouvrir une belle bouteille, de la déguster ensemble, parce que le vin c'est fait pour être partagé.